messieurs, bonjour. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать. Je continue la conférence en français. Alors effectivement, on va échanger avec mon collègue sur différents aspects, qui s'occupera plus d'économie et de finances et moins des aspects plutôt métalliques. Je vais commencer par un élément qui a été fourni il y a à peu près une semaine. C'était à Nancy, c'était le World Materials Forum. C'est un grand happening qui se déroule effectivement dans la cité ducale de Lorraine et qui permet de réunir des chercheurs, des professionnels dans le monde de l'industrie et dans le monde aussi minéralogique. Et il y a eu un ancien responsable de Peugeot Citroën, mais aussi du groupe Pechiney, donc qui s'occupait principalement de l'aluminium. Et il a dit ceci, et je me permets de le dire parce que ça porte vraiment à conséquence. Ce que le monde politique n'a pas réalisé, c'est que l'on va extraire de la planète durant les 30 prochaines années autant que depuis le début de l'humanité. Cela est dû à la démographie, à l'urbanisation, à l'augmentation du niveau de vie, mais aussi aux investissements massifs qu'il va falloir faire sur les infrastructures pour accompagner la transition écologique. Alors, il faut bien comprendre, et c'est un peu aussi l'objet central de ma thèse. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire, elle est assez technique, mais je vous fais grâce quand même de tous les éléments qui pourraient être particulièrement, suffisamment ennuyeux quand même pour les béotiens. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que l'on nous impose deux transitions, l'une qui est écologique et l'autre qui est numérique, sans s'être posé la question centrale de savoir si les deux sont compatibles. Et d'autres intervenants, d'autres experts, nous nous rejoignons de toute façon, nous nous accordons pour dire une chose, c'est que nous allons vers un monde qui sera certes moins décarboné, mais qui sera beaucoup plus métallisé, ce qui a des implications économiques, financières, mais aussi géopolitiques, géoéconomiques. On aura l'occasion, durant le temps qui nous est accordé, de nous exprimer, par exemple, sur les questions métalliques qui ressortent, par exemple, du lithium. On entend beaucoup parler, mais il y a aussi les terres rares, dont on a beaucoup entendu parler, qu'on entendra encore beaucoup parler. Mais aussi d'autres très importantes, comme le nickel. Nous avons aussi le cobalt, le titane, puisque nous parlons effectivement ici même de la crise russo-ukrainienne. Il va y avoir effectivement des incidences très fortes ces prochaines semaines. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas déjà, mais elles seront encore plus fortes les prochaines semaines. J'entends pour le monde occidental, principalement. Et je vous expliquerai aussi l'importance du manque d'approche systémique par le monde occidental. Et ce qui m'a vraiment surpris, parce que je ne vois pas comment, effectivement, on va pouvoir, de manière résiliente, absorber le choc qui va s'amplifier ces prochains temps, si on ne prend pas en compte tout un ensemble, en fait, d'éléments qui est tout un cycle, quasiment, qui va, je vous l'indiquerai, hein, qui va de l'extraction au recyclage ou au surcyclage, il y a tout un cycle à respecter. Et ça, on voit bien qu'il y a des trous quand même dans ce cycle. Et donc, ne serait-ce que déjà en commençant par le premier, celui qui me concerne le plus, c'est-à-dire l'aspect minier, c'est-à-dire la prospection, l'extraction, la valorisation. Eh oui. Parce qu'on a quand même un paradoxe quand même. C'est que effectivement, on arrive dans un monde où nous avons besoin de plus en plus de ressources minières et nous avons de moins en moins de mines dans les pays occidentaux. C'est quand même assez, assez particulier. Exception faite des États-Unis et notamment de l'initiative d'un individu que vous connaissez bien, en tout cas très certainement, puisqu'il est l'homme théoriquement le plus riche du monde, Elon Musk. Et lui, il a une approche vraiment systémique. Je travaille beaucoup parce que mon sujet de thèse, il parle de l'électromobilité, mais derrière, c'est vraiment aussi un aspect d'appréhension du phénomène industriel sur le long terme. Et on voit qu'Elon Musk, il a une approche 360 panoramique, effectivement, de la situation. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'erreur. Ça ne veut pas dire que, je veux dire, même industriellement ou médiatiquement, il soit parfait, bien, bien loin de là. Cependant, je ne peux pas lui reprocher de tenter de relier toutes les mailles, en fait, de cette logique systémique.
Et bien évidemment, et je vais laisser la parole tout de même à mon collègue, pour évoquer, là j'évoquerai plus en détail les questions minéralogiques, mais il y a des incidences à travers déjà l'aspect minéralogique, vers le cours des marchés. Je parlerai un petit peu plus aussi du London Metal Exchange, parce qu'il s'est passé des choses vraiment particulièrement denses en matière de nouvelles, mais aussi on peut expliquer assez critiques pour la suite quand même et pour l'avenir de nos industries. Bonsoir à tous. Moi, je vais rebondir sur l'absence de stratégie de cohérence européenne. C'est-à-dire que tout semble décidé derrière des portes capitonnées. On ne connaît même pas le nom des spécialistes qui interviennent. Et puis, d'un seul coup, sort de la commission des propositions qui ensuite passe au vote devant un Parlement qui n'y comprend pas grand-chose en général. Les parlementaires sont le plus souvent briefés par des lobbyistes, donc on peut imaginer qu'ils prennent les meilleures décisions avec une objectivité que personne ne saurait contester. Et ça débouche sur des grands mots d'ordre. Par exemple, on arrête de fabriquer des véhicules thermiques à l'horizon 2035. Je cite ça parce que c'est la dernière grande inspiration. Alors comment on va de 14% aujourd'hui de véhicules électriques à 89%, c'est les estimations, en 2035, parce que ces véhicules thermiques continueront de circuler évidemment en Asie, en Amérique du Sud. Il n'y a que nous hein, pour nous infliger un projet de transition en 13 ans, ce qui, à l'échelle d'une transformation industrielle, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais vu. J'en ai pas le souvenir. Le nucléaire, quand on est passé au nucléaire en France, on a mis quand même une bonne quinzaine d'années à construire des centrales. Voilà. On savait le faire à l'époque, on l'a fait bien. Aujourd'hui, on propose donc d'avoir 90% de véhicules électriques en 2035. Par quels moyens vont-ils être alimentés en électricité, ces véhicules? Ça en fera, je crois, 60 millions. Pardon. Oui, voilà. 60 millions. Aujourd'hui, il faut bien sûr les prises. Hein, n'existent pas. En France, là, aujourd'hui, vu le nombre de véhicules électriques qui circulent déjà, on manque déjà d'un million. Un million de recharge. Je ne dirais pas qu'on a pris un certain retard, mais enfin, quand même, je dois dire que là, on n'a pas pensé à tout dès le départ. C'est-à-dire que en Norvège, ils ont fait l'effort, mais nous, en France, en Allemagne, etc., c'est quand même assez pauvre. Donc, on pond des grands mots d'ordre, on n'a évidemment pas pris la mesure de ce que ça impliquait en termes de sécurisation des ressources nécessaires. Donc, vous en parlerez mieux que moi parce que vous connaissez très très bien cette thématique minière. Mais quand on dit qu'on va extraire autant de minerais entre 2022 et 2035 qu'on en a déjà extrait depuis l'aube de l'humanité, ça c'est un calcul théorique. C'est ce qu'il faudra extraire. Mais la question que je me pose, c'est où va-t-on le trouver? Où va-t-on trouver ces fameuses matières premières? Il y a un taux de déplétion. C'est un terme un peu technique qui veut dire que les mines actuellement, que ce soit du cuivre, du nickel, du cobalt, etc., on est sur des rendements descendants partout. On n'a pas trouvé de super gisement de nickel à 200 grammes la tonne. Malheureusement, nos géologues ont identifié au début du XXe siècle la plupart des grands gisements miniers. Et depuis, on tape là-dedans, mais on tape de plus en plus profond et dans des roches de moins en moins riches en minerais. Alors il y a toujours du minerai. Il y en a des quantités phénoménales. Quand on parle du nickel, je crois que 80% du poids de la planète Terre, c'est du nickel, sauf qu'il est en fusion à 70 km dans le manteau terrestre. Donc on ne va pas aller le chercher là. Donc ce qu'on connaît aujourd'hui comme gisement, on voit que le coût d'extraction
augmente fortement, puisqu'il faut broyer plus de tonnes de roche pour sortir la même quantité de métal. Et aujourd'hui, pour broyer de la roche, il faut des grands moulins qui écrasent tout ça. Alors ça peut tourner à l'électricité, mais l'électricité, d'où vient-elle? Si on a un petit peu de chance, on n'est pas loin d'un grand barrage hydroélectrique ou d'une centrale nucléaire. Ça, c'est la logique chinoise. Ils mettent des centrales nucléaires à peu près partout où on a besoin d'une énergie abondante produite de façon régulière. Mais si vous n'avez pas de rivière, pas de lac, etc., on se tourne forcément vers l'énergie fossile. Voilà. Donc l'énergie fossile, c'est le gaz, c'est le fuel, c'est tout ce qu'on connaît. Et aujourd'hui, là, on est sur un effet de ciseau terrible. Un, pour extraire une tonne de nickel, maintenant il faut broyer, je ne sais pas combien, 200 tonnes de roche. Et en Nouvelle-Calédonie, notamment, donc ils n'ont pas de centrale nucléaire, ils n'ont pas vraiment d'hydroélectricité, donc c'est forcément produit avec de l'énergie carbonée. Voilà. Donc cette énergie augmente très fortement, et le taux de minerai est en baisse, et il va continuer de baisser jusqu'en 2035. Donc je ne sais pas comment on s'en sort, je ne sais même pas si quelqu'un, à un moment, a dit à nos brillants faiseurs de grands projets si c'était ou non juste possible, parce que l'on est capable aujourd'hui d'extraire. Voilà, moi je suis devant ça. Il y a déjà 4 ou 5 ans, quand j'ai entendu Volkswagen, BMW nous dire en 2030, 70% de nos véhicules seront des véhicules électriques, je me suis dit, d'accord, ils vont construire des grandes factories pour assembler les batteries, mais d'où va provenir le métal qu'on va mettre dans ces batteries? Je n'ai pas la réponse. Par contre, ça n'a pas empêché le Parlement européen de voter comme un seul homme. Arrêt des véhicules, la production des véhicules thermiques en 2035. De toute façon, le Parlement européen vient de voter, par exemple, la prolongation du pass sanitaire européen. 76% des électeurs européens sont contre et 76% des députés européens ont voté pour. Voilà. Oui, je me permets de rebondir sur cette question du nickel qui est vraiment essentielle parce que c'est un métal extrêmement courant. Mais encore faut-il l'extraire, encore faut-il... D'abord, il faut prospecter, bon, ça on sait où le trouver. Mais il faut l'extraire et puis il faut aussi, surtout le valoriser pour qu'il entre en production, soit par certaines pièces ou un assemblage en un produit manufacturé terminé. Mais où se trouve-t-il principalement? Le premier pays, c'est l'Indonésie, de très loin, 1 million de tonnes à peu près. Le deuxième, ce sont les Philippines. Je crois que c'est à peu près dans les un peu plus de 300 000 tonnes, je crois 370 000 de mémoire. Le troisième, un pays que nous connaissons bien, c'est la Russie. Et le quatrième, c'est la France, avec notamment la Nouvelle-Calédonie. Nous en discutons d'ailleurs en arrière-cours des conséquences qui peut y avoir. Et la souveraineté minière qui est vraiment essentielle, qui est vraiment centrale. Alors, pour l'Indonésie, 1 million de tonnes, ça semble énorme. Et ça peut subvenir à beaucoup de besoins. Sauf que l'Indonésie, très récemment, a décidé de bloquer l'exportation majeure de son nickel. Pour les pays occidentaux, ça a été un vrai problème, mais pas pour l'Empire du Milieu. Je parlais de la Chine. Pourquoi ? La Chine a dit, ce n'est pas un problème pour nous. Nous respectons votre souveraineté. Vous voulez reprendre le contrôle de vos ressources minières ? Nous comprenons. Nous allons installer une usine chez vous. Vous nous interdisez d'importer du nickel, mais vous ne nous interdisez pas d'importer des produits manufacturés de chez vous. Nous, on vous apporte une usine avec éventuellement un transfert de technologie. Pas de problème. Pragmatisme chinois. Voilà. Donc, on s'est lamenté du point de vue des Occidentaux. Et pour l'instant, il y a eu un document, c'est le 3 septembre 2020. Si vous voulez, je vous donne la référence parce que j'aime bien sourcer. Ça s'appelle « La résilience des matières premières critiques, la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité », comme 2020-474, pour être exact. Je vous fais grâce de la lecture qui prend plusieurs pages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont dégagé à peu près, c'est exactement 30 matières premières critiques. Et ils ont rajouté, c'est la première, c'était en 2008, et il a fallu 2020
pour qu'ils rajoutent le lithium dedans. Incroyable, le lithium. Pourtant, ça fait un moment quand même qu'on est vers la transition, vers l'électromobilité, qu'on incite d'ailleurs, qu'on impose plus exactement. Et il a fallu simplement qu'on se dise, mais le lithium quand même, c'est assez problématique. Alors le lithium, je ne sais pas où vous savez où ça se trouve, c'est principalement dans les salars de Bolivie et du Chili. Alors là, ces pays, principalement, ont aussi décidé de reprendre en main leurs biens et d'associer les pays qui veulent venir à un transfert de technologie et à s'installer chez eux, donc à employer aussi de la main-d'œuvre locale. C'est le cas, je pensais à la Bolivie notamment, avec Toyota. Toyota a dit d'accord. Et il y a beaucoup de puissances asiatiques qui sont très bonnes dans ce domaine-là, c'est-à-dire elles ont une approche qui fait qu'il n'y a pas ce sentiment anti-asiatique qu'il peut y avoir avec le sentiment anti-occidental, qui est vraiment problématique. On peut songer par exemple ce qu'il y a au Mali, mais il y a d'autres pays où ça passe vraiment de moins en moins bien, c'est-à-dire même pour des questions minières, on voit bien quand même qu'il y a des difficultés quand même pour aller, je ne parle même pas d'exploitation, je parle de prospection uniquement. Et on se dit, attendez, si vous venez prospecter, vous le faites gratuitement? Si on dit qu'on le fait gratuitement, c'est forcément qu'on va se prendre une partie sur la suite, c'est-à-dire l'extraction et la valorisation, bien évidemment. Et là, ça devient de plus en plus difficile. Il y a beaucoup de pays maintenant qui rechignent à ce niveau-là à exporter leur production sans maintenant garde-fous. Il y a eu, par exemple, vous avez tous entendu parler des mines de cobalt donc au Congo. Dorénavant, il y a une réforme du code minier qui va être beaucoup plus soucieuse, enfin il y a eu, hein, les normes, elle est en cours, beaucoup plus soucieuse de l'environnement, puisque c'est ce qui a été demandé principalement par les instances européennes, beaucoup plus soucieuse aussi du fait social, c'est-à-dire le respect des populations locales, mais en contrepartie, ils ont dit, attendez, ça va avoir aussi un coût pour vous, c'est-à-dire nous on met tout ça en place et on va respecter et on va harmoniser quand même tout ce qui se fait. Oui, mais cette réforme du code minier fait que vous n'aurez plus à vil prix, finalement, notre cobalt. Là, il faut bien être clair aussi là-dessus. Et ce faisant, d'ailleurs, ils en ont profité pour augmenter les taxes à l'exportation. Il y a d'autres éléments, et on voit bien l'Occident a délaissé son secteur minier. Par exemple, elle a laissé le niobium au Brésil. L'Indonésie, j'en ai parlé, c'était le nickel. On connaît aussi la Chine pour les terres rares, bien évidemment. Et puis, il y a aussi, parlons aussi de la Russie. La Russie, notamment, alors beaucoup de matières premières très essentielles. Par exemple, le palladium. Mais on pourrait aussi parler du titane, qui est vraiment essentiel dans le domaine des mobilités. Je lisais dans Challenge très récemment que le patron s'inquiétait à terme d'un approvisionnement de titane venant de Russie parce qu'à 50% son approvisionnement provient de la Fédération de Russie. Voilà. Ce n'est pas rien non plus. Alors, c'est facile de dire, effectivement, quand je regarde des textes européens, il suffit de diversifier ces échanges. Oui, mais vous-même, êtes-vous au niveau diplomatique pour pouvoir initier ces échanges et s'assurer une sécurité logistique d'approvisionnement? Déjà, c'est la première des choses. J'ai plus ou moins répondu antérieurement. Et puis surtout, est-ce que vous seriez prêt, vous, à nouveau, à ouvrir des mines sur le territoire de l'Union européenne pour pouvoir bénéficier d'une certaine sécurité, sécurité minière, souveraineté minière aussi, être moins dépendant de la fluctuation? Alors ça, c'est une des solutions qui était apportée. Il y en aura d'autres, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Mais c'est pour bien insister sur le fait que cette question minéralogique, elle ne date pas de maintenant. Vous voyez, au niveau européen, c'était 2008. Ces textes ont été écrits par des ingénieurs, ça se voit tout de suite. Elle n'a pas du tout été écrite par des politiciens. En revanche, elle n'a pas été suivie par des politiciens, ça c'est certain. Parce que c'est seulement maintenant, avec la crise du Covid, maintenant la crise qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs, juste une chose, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on parlait de l'électromobilité. Et c'est très bien parce que moi, ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait aussi des carences en néon purifié. Et néon purifié, qui le produit principalement? C'est en Ukraine. Et oui, c'est un legs, en fait, de l'Union soviétique, qui revendait à vil prix, en fait, son néon purifié à l'Occident. Et ils ont conservé, l'Ukraine a continué cette politique, sauf qu'elle nous est essentielle en Occident. La Russie,
c'est du saphir de synthèse. Saphir de synthèse, ça ne parle pas. Par contre, si je vous dis nos téléphones portables ont des semi-conducteurs. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi nos automobiles. Et on a déjà une crise des semi-conducteurs qui vient de Taïwan. Mais si on rajoute avec l'absence de saphir de synthèse, qui permet de faire ces couches de silicium et de germanium, on va avoir d'autres problèmes. Donc voilà, c'est bien pour vous dire, ça paraît un peu technique, mais il faut bien comprendre qu'au niveau géopolitique, la question se corse principalement. Et on en revient à quelque chose d'essentiel, c'est une approche systémique et surtout une souveraineté, et principalement en commençant par la souveraineté minière. Voilà, je vais laisser M. Béchat poursuivre. En ce qui concerne le nickel, donc la France est le troisième producteur. En fait, elle l'est donc grâce aux mines de nickel de Nouvelle-Calédonie et parce que Eramet a aussi noué des partenariats avec l'Indonésie pour le raffinage. Parce qu'en fait, le nickel, on le sort pas du sol comme du fer ou comme du cuivre. Il provient d'une transformation chimique assez complexe dont je vous épargne les détails. Et ce qui signifie que dans le nickel, il ne suffit pas seulement d'avoir des excavatrices, il faut aussi avoir beaucoup de produits chimiques et de l'électricité pour faire une électrolyse. Voilà. Donc le nickel, c'est compliqué. Les terres rares, alors ça, c'est merveilleux parce que il y en a dans de nombreux points sur le globe, mais... les terres rares raffinées, elles viennent à plus de 90% de la Chine. Et on ne fait évidemment rien en termes de haute technologie, justement de semi-conducteurs, si on n'a pas ces terres rares. Le néon ultra pur, à quoi sert-il ? Sans néon ultra pur, vous ne fabriquez pas des microprocesseurs. Ils se fabriquent sous une atmosphère de gaz neutre et ultra pur. Alors, on a quand même Air Liquide, Cocorico, qui en produit un tout petit peu, mais globalement, le néon ukrainien est très, très utile quand même à toute l'industrie, de la Silicon Valley jusqu'à Taïwan. Taïwan étant le premier producteur du monde avec cette firme TSMC qui fait saliver Pékin. Quand on voit la Chine mettre la pression sur Taïwan, à Taïwan, il y a des pêcheurs, ouais, et puis il y a des fabricants de semi-conducteurs. Il y a TSMC, c'est le numéro 1 mondial, mais qui a quand même besoin de gaz ultra pur, lui aussi. Voilà. Donc en Europe, on est totalement, mais alors totalement dépendant de la Chine, hein, pour les métaux raffinés qui rentrent dans la composition des batteries, pour les microprocesseurs qui rentrent dans la composition de nos smartphones et puis de tous les objets connectés du quotidien. On ne produit nulle part du gaz néon ultra pur. Bref, on est parti sur une double transition industrielle, une révolution technologique, en n'ayant, nous en propre, aucun des éléments concrets, les matériaux, les métaux. On n'a rien. C'est quand même extraordinaire. Et on n'entend personne dire on noue des partenariats extrêmement fructueux, du gagnant-gagnant avec des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme Madagascar, etc. Bon, Madagascar est peut-être un mauvais exemple de ce que la Chine a pu faire, c'est-à-dire qu'ils ont acheté des concessions. Et puis une fois qu'ils ont obtenu, ils ont importé des travailleurs chinois qui bossaient 24 heures sur 24. Ils ont tout entouré de barbelés. Il y avait un corridor pour extraire, pour évacuer tout vers la mer. Et les malgaches, ça ne leur fournissait ni travail, ni vraie richesse. Donc, c'est pas le meilleur exemple qu'on ait, mais la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, etc. Là, les Chinois sont arrivés en disant écoutez, ça serait peut-être pas mal que vous ayez un port en eau profonde. Ah, vous n'en avez pas, bon, on va vous en creuser un. Ça ne nous pose pas de problème de vous mettre 10-12 mètres de fond pour faire, arriver un minéralier. On sait faire. Des autoroutes pour aller de la capitale à la zone industrielle, on va aussi savoir vous la construire. On va vous avancer l'argent, etc. Et puis, on part sur des projets très très ambitieux. C'est le cas de la Papouasie. Ça a même été le cas des îles Salomon. Et puis, quand, à l'échelon local, ils ont du mal à rembourser les prêts, il n'y a pas de problème. Tout est nanti sur la richesse du pays. Voilà.
Pour l'instant, nous, en Europe, je ne sais pas si on dort, je ne sais pas où on est, je ne sais pas ce qu'on fait, mais on n'y est pas. Partout où on devrait être pour sécuriser tout ce dont nous avons besoin pour nos grands projets, je ne vois pas où nous avons fait le nécessaire et assuré nos approvisionnements. Donc il reste... en fait, il n'y a que le nickel, hein, où la France a vraiment quelque chose sous la main. Mais pour le reste, non. Alors si on pourrait avoir du gaz de schiste, il suffit de repercer là, Alsace-Lorraine, enfin surtout la Lorraine, là on perce et on va pouvoir extraire du gaz, sauf qu'évidemment ça nous est complètement interdit par les écologistes qui préfèrent installer des éoliennes. Une éolienne, c'est quand même en moyenne 800 tonnes de béton à la base. Le béton, c'est un mélange de sable et de ciment, et le ciment, c'est quelque chose qui s'obtient en cramant et en dégageant énormément de CO2, donc du calcaire. Et je crois qu'il faut à peu près, pour 800 tonnes de béton, il faut compter à peu près un tiers de ciment. Oui, à peu près. Oui. À peu près. Donc vous avez entre 250 et 280 tonnes de ciment au pied de chaque éolienne, et le coût du ciment a tout simplement doublé là depuis le début de l'année du fait du coût énergétique pour le rendre exploitable. C'est quand même absolument merveilleux. Si on faisait le bilan carbone aujourd'hui d'une éolienne avec ce que nous coûte aujourd'hui en émission de carbone le socle en béton, je pense qu'on serait absolument halluciné. On arrêterait effectivement de faire ça. Bon, c'est pour ça qu'effectivement, les installer en haute mer, c'est mieux, mais il faut encore pas mal d'acier. Et puis bah, l'acier, c'est pareil, pour le faire fondre, on en revient au problème de... Il faut du charbon à coque, dont le prix a doublé, je crois. Non, pardon, quadruplé. Le charbon à coque a quadruplé. Le charbon pour produire du courant, c'est juste doublé. Quand vous faites le total de tous ces surcoûts, mais là, il va falloir qu'on imprime des milliers de milliards d'euros pour financer ça. Est-ce qu'on se figure le coût de cette transition? Et on est déjà effrayé aujourd'hui parce qu'on va avoir 6,8% d'inflation en France au mois d'octobre, peut-être 7% à la fin de l'année. Mais là, d'ici 2035, pour faire notre transition, ça va être du 15% d'inflation par an. Et encore, c'est une hypothèse. Je ne sais pas combien vaudra le nickel en 2027, combien vaudra le palladium en 2028 et combien vaudra le lithium en 2029. C'est sur la base aujourd'hui de ce qu'on arrive un petit peu à calculer, à se figurer. Donc cette transition énergétique et cette transition technologique au niveau inflation, mais là où nous sommes à 8% d'inflation par an, nous n'avons encore rien vu. Oui, pour continuer sur cette lancée optimiste, je souhaite revenir en fait sur un élément très particulier, c'est dans la droite ligne. Hein. J'ai relevé le cours du nickel et il y a eu un événement vraiment exceptionnel au London Metal Exchange, donc qui est une bourse des valeurs de certains métaux, pas tous les métaux. Vous voyez, le lithium a été introduit très, très récemment. Le prix à la tonne du nickel, en mars, est passé de 29 800 dollars la tonne, donc 29 800 dollars la tonne, à 42 990 dollars, donc 69% d'augmentation en 24 heures. Le cours a été suspendu. C'est rarissime. C'est rarissime. Il peut y avoir quelques pourcents d'augmentation. C'est déjà énorme. 69% en 24 heures. Et ça risque de se renouveler très prochainement, ces prochains temps, parce que justement, nous sommes en situation de polycrise, ça nous le savons, mais il va y avoir des goulets d'étranglement dans l'offre, en fait, en matière première, très clairement. C'était rarissime, ça a été suspendu. Je vais me retrancher derrière une déclaration de l'Agence internationale de l'énergie, qui a estimé que le prix du lithium est 7 fois plus élevé en mai 2022 que depuis janvier 2021. Le prix du lithium à la tonne a augmenté de 7 fois en pratiquement un peu plus d'un an et demi, on va dire.
Et ce n'est pas terminé. Selon toujours cette même agence, le prix des batteries risque d'augmenter de 15% si les prix ne baissent pas. Si vraiment il n'y a pas une baisse significative, les prix des batteries vont augmenter de 15%. 15% sachant que les batteries, ça compte pour à peu près, grosso modo, entre un tiers et la moitié du prix d'un véhicule électrique. Ce qui est important dans un véhicule électrique, ce n'est pas le moteur cette fois. Dans un véhicule thermique, c'est le moteur le principal. Là, c'est la batterie. Et en plus, je ne parle pas des batteries connectées, etc., qui réclament des matériaux encore plus particuliers, parce que c'est bourré d'électronique. Je ne rentre pas dans ces considérations-là. Retenez simplement sur ce point-là que le lithium est devenu vraiment un métal vraiment très critique. Et ils expliquaient aussi... ils reparlaient aussi du nickel, j'avais oublié de le signifier. Donc, le nickel est fourni par la Russie à hauteur de 20%. Donc, imaginez-vous si on se refuse à ces 20% de nickel. Alors, c'est facile, il n'y a qu'augmenter la production en Nouvelle-Calédonie. Oui, mais il faut investir. Et puis, même l'investissement, vous savez, alors c'est pas aussi... aussi long que pour une centrale nucléaire, même un SMR, mais malgré tout, ça demande quand même un pilotage stratégique. Et on en revient. Une approche aussi systémique. C'est-à-dire, il y a tout un cycle quand même à respecter. Et puis, il faut des ingénieurs. On a beaucoup perdu. On n'avait plus besoin d'ingénieurs des mines. Enfin, il en reste quand même quelques-uns. Mais je veux dire, malheureusement, nous n'avons plus les compétences véritables pour à nouveau vraiment faire, de la prospection, de l'extraction, de la valorisation à grande échelle maintenant. Nous pouvons le faire de manière très circonstanciée, mais à grande échelle, c'est beaucoup plus compliqué. Heureusement, pour la France, il reste le nickel, mais pour d'autres pays, d'ailleurs, M. Béchon, nous en discutions, pour d'autres pays, heureusement, il ne reste le charbon. Énergie tellement décarbonée comme on le connaît. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que vous allez en parler de la déclaration très récente du ministre allemand. Robert Habeck, oui. Qui est très lourde de conséquences. Il est passé en phase 2 de la criticité, quand même, en fourniture d'énergie. Nous y sommes. Je pourrais vous parler des solutions, ça serait quand même un petit peu plus optimiste. Deux très simples, sans rentrer dans le technique, on peut le faire ensuite avec les questions-réponses. Moi, j'en vois deux. La première, c'est la neutralité technologique. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans le domaine qui m'est très cher, c'est-à-dire l'électromobilité, on a supprimé la liberté modale. La liberté modale, c'est pas que d'aller là où on veut. C'est aussi de choisir son moyen de locomotion. Et là, on a dit, on supprime tout le thermique, y compris les hybrides. Je précise, les hybrides aussi ne sont même plus sur la sellette. C'est terminé en 2035, donc la décote va être très forte. Enfin, comme véhicule collector, mais il faudra attendre 20 ans plus tard. Mais en attendant, je vais vous dire très sincèrement, il n'y a pas eu de neutralité à ce niveau-là. C'est-à-dire la liberté modale n'a pas été respectée. On vous dit, c'est véhicule électrique, vous l'avez rappelé, il y aurait dû y avoir 100 000 prises électriques, enfin bornes électriques plus exactement, en France pour 2021. Il n'y en a que 60 000. Et encore, je suis généreux, 60 000, je ne vous parle pas à charge rapide. Hein. C'est 60 000 tout confondu. Donc attention, est disponible. Il y avait un réseau, je ne me souviens plus du nom, et puis ça m'évitera certainement des poursuites judiciaires. Encore que, ça a été répercuté dans la presse spécialisée. Mais il y avait un réseau de bornes rapides sur autoroute. Ils avaient estimé qu'il était à plus de la moitié hors service. Il y a des coupures très, très régulières. C'est très compliqué. Tous ces éléments mis au fur et à mesure, c'est la première des solutions. C'est pour une neutralité technologique. Le deuxième point, c'est la sobriété technologique. Moi, j'avais été... vous souvenez, si je vous dis, ceci est une révolution. Ça va être une révolution minéralogique, hein, parce qu'on va avoir plus de besoins et moins d'offres. Mais ceci est une révolution. C'était notre cher ami Steve Jobs. Et il avait, j'ai dit Steve Jobs, c'est 80% de marketing, 20% d'innovation. Il avait prévu un business plan très simple. Il avait déjà toutes les technologies qu'il lui fallait pour faire l'équivalent, son iPhone 4 ou 5, il pouvait le faire dès l'iPhone 1. Mais il a préféré introduire un premier produit et le présenter. La présentation a été magnifique, je me souviens des premiers Apple Store. Et tout doucement, il a ajouté ces technologies que lui, il avait déjà prévues dès le départ. Il pouvait les ajouter dès la première version.
et les a faites au fur et à mesure. Plus il a optimisé, etc. Ce faisant, ce n'est pas de la sobriété technologique, parce que en fait, on va créer une obsolescence programmée, mais vraiment programmée. C'est-à-dire votre iPhone, bon, en plus, vous ne pouvez pas utiliser de chargeur, je sais pas moi, Samsung, HTC, tout ce que vous voulez, enfin, on va dire pratiquement standard. Non, là, c'était vraiment un standard très spécifique à Apple. On appelle ça un standard propriétaire, pas un standard libre. Et toujours est-il, cette sobriété technologique, on ne la voit pas, puisqu'on va vous proposer à chaque fois, bah, tous les 2 ou 3 ans, de changer votre appareil. Alors je prends le secteur des smartphones, mais pour les automobiles, c'est ça. Vous voulez rentrer dans Paris, vous voulez rentrer dans Bordeaux, dans Lyon, dans Strasbourg, bah très bien. Vous avez votre vignette critère de préférence VE. Hein, parce qu'on va aussi réviser quand même, hein, ça ne va pas rester ad vitam aeternam, les classifications 1, 2, 3 et 4, on va les réévaluer aussi. Hein. Il est question d'ailleurs, ce qui n'est pas incongru non plus, de revoir pour les hybrides. Moi, j'avais fait un travail dessus sur le poids. Plus vous avez un véhicule hybride, c'est le pire des deux mondes. Hein. C'est le pire du thermique et le pire de l'électrique. Hein. Avec un poids plume de plus de 2 tonnes hein, quand même. Donc, ah oui, il y a moins de CO2. Par contre, il y a plus de particules fines. Là, bizarrement, ça n'intéresse pas. Enfin, vous me direz, si vous voulez, votre quota de particules fines, vaut mieux être à l'extérieur de Paris que dans le sous-sol. Hein. Parce que c'est là où ça pulse le plus. Mais ceci étant... voilà, c'est juste pour dire, il y a des solutions. La première, c'est la neutralité technologique. La deuxième, c'est la sobriété technologique. Je ne vous fais pas un cours sur la décroissance, hein, du tout. Je dis simplement consommer mieux plutôt que consommer plus. Résister un petit peu aux sirènes, un peu de cette consommation frénétique. Et puis, je dirais, obtenir aussi des produits qui sont tout aussi performants, mais dans la durée. Voilà. Là, un véhicule thermique, les véhicules diesel, je ne suis pas payé par le lobby du diesel, hein, je vous le dis, mais je vous le dis sincèrement, c'était une utilisation rationnelle avec tous les systèmes, on va dire, de filtres antiparticules et puis de contrôle aussi, le nouveau contrôle technique hein, que moi j'ai salué, le WLTP, qui remplaçait un ancien contrôle mais complètement hors d'usage. Le véhicule thermique diesel était très utile pour les voyages de plus de 300-400 km sur les longues distances. Le véhicule électrique est très bien pour les courtes, voire moyennes distances, pour bien préparer. Et puis, les véhicules hybrides, je dirais, c'est, comme je disais, c'est un peu le pire des deux mondes. Maintenant, c'est toujours possible parce que c'est paré au pire, c'est-à-dire vous devez travailler, il faut bien aller quand même dans des grandes agglomérations. Mais ce faisant, une fois encore, ces positions n'ont pas été prises. On nous a imposé un véhicule électrique comme la panacée. Je ne tarie pas d'éloge sur le véhicule électrique. Moi, j'y suis très favorable. Mais en revanche, je dis, il ne faut pas le vendre comme le produit miracle. Parce que je sais très bien que si on le vend comme tel, c'est fini, il va y avoir un retour de bâton assez violent. Et là, le véhicule électrique, on va le prendre en grippe. Et je commence déjà à le voir. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il a vraiment des vertus. Notamment en matière de couple, déjà, mais aussi d'émissions, quand même, de sonorité, parce que la pollution sonore est moindre, et puis aussi de rendement énergétique, qui est proche, pas tout à fait, il y en a qui disent 100%, en fait, c'est plus proche de 90%, alors que le véhicule thermique, c'est 30 à 40% environ. Vous voyez, il ne manque pas de raison d'être loué. Cependant, pourquoi retirer de suite aussi les véhicules thermiques et les mettre à la casse et on ne va pas savoir quoi en faire? Est-ce qu'ils seront recyclés? D'ailleurs, je vais vous laisser parler parce que vous parlerez certainement effectivement de cette cisaille, le recyclage. Une solution qui est avancée, on dit que ce n'est pas un problème, on va créer les mines urbaines, urban mining. Oui, par le recyclage et le surcyclage. Mais encore faut-il, un, que les quantités soient suffisamment élevées et deux, que le coût du produit que l'on prélève soit suffisant. Je laisse la parole. Alors je vais enchaîner sur une thématique. Je pense qu'on va tous se sentir concernés parce que tout le monde n'a pas forcément un véhicule thermique, hybride ou full électrique. Par contre, on habite tous quelque part. Et vous êtes au courant en France, par exemple, du DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique qui est imposé maintenant pour tous les logements. Vous savez que si votre logement est diagnostiqué F ou G, vous ne pouvez plus le louer. Vous pouvez encore l'occuper, mais vous ne pouvez plus le louer. Et actuellement, pour ces logements frappés du sceau de l'infamie, notamment le G, aujourd'hui, pour le vendre, il faut baisser le prix de 20 à 25%. À quoi correspondent ces 20 ou 25% de
de bargain, enfin de réduction offerte à l'acheteur, bah, aux travaux qu'il va falloir faire pour que ce logement remonte en catégorie D, bon, déjà, ça va commencer déjà par supprimer la chaudière, qu'elle soit au gaz ou qu'elle soit au fioul. Donc ça, c'est fini. Hop, le logement F, G, zou. Plus de chaudière au gaz ou au fioul. Nous sommes 57% de Français à occuper un logement individuel. Voilà. Alors, pour ceux qui habitent un immeuble chauffé au fioul, je vous rassure, vous ne risquez rien. On ne va pas vous coller une étiquette F ou G, puisque ça ne relève pas de votre responsabilité. Et que si c'était le cas, les HLM de Paris, ils fermeraient à peu près la moitié des appartements qu'ils exploitent. Mais transformer une maison, ben, on en revient à nouveau à utiliser des matériaux. Alors il faut du cuivre, évidemment, parce que si on rend tout électrique, ben, il va falloir mettre beaucoup de cuivre dans sa maison. On optimise beaucoup la performance énergétique de la maison en mettant des microprocesseurs partout, des microcontrôleurs. Donc ça va ouvrir les volets au bon moment quand le soleil arrive. Ça va les fermer ou ça va réduire le chauffage dans une pièce. Ça va l'augmenter dans une autre. Ça va tout couper quand vous quittez la maison et ça va remettre le chauffage 20 minutes avant votre arrivée. Mais tout ça, c'est des microprocesseurs. Tout ça, c'est encore des terres rares. C'est encore des matériaux. Mais là, je crois que j'ai lu que pour mettre aux normes les logements F et G, c'est 4 millions de logements qui vont devoir être reconfigurés, upgradés à l'horizon 2030. Est-ce qu'on se figure, là aussi, la demande de matériaux qu'il va falloir pour mettre 4 millions de logements aux normes en moins de 10 ans, ou même en 10 ans. C'est déjà énorme. Un logement que vous refaites, vous vous dites c'est simple, bon, on va remettre de nouvelles vitres avec des caractéristiques, ça filtre la lumière, enfin ça filtre le soleil, les vitres s'opacifient quand il fait très très chaud et ça redevient transparent quand le soleil est bas sur l'horizon. Ben oui, ça, ce vitrage-là, ben, il est obtenu, il faut faire fondre du verre et le mélanger avec d'autres composants qui lui donnent justement ces propriétés thermiques qu'on recherche. Ben aujourd'hui, produire du verre avec du gaz qui a quadruplé de valeur, c'est changer ses vitres, ça coûte aujourd'hui beaucoup plus cher. Changer ses fenêtres, ça coûte beaucoup plus cher. Mettre du carrelage, ah ben mince, du carrelage, c'est cuit au gaz. Mais aujourd'hui, on ne trouve pas de carrelage. Enfin, si certains d'entre vous sont en train de remettre une maison en état ou de changer la décoration de la salle de bain, préoccupez-vous de cette question du carrelage. C'est très difficile à trouver. Vous avez besoin d'aluminium pour des fenêtres avec une meilleure étanchéité thermique. Et ben là, vous allez quand même probablement vous rabattre sur le PVC, parce que de l'aluminium, aujourd'hui, ça devient pas spécialement rare, mais c'est devenu tellement cher que... il faut prévoir des budgets absolument faramineux aujourd'hui pour remettre une maison aux normes techniques telles qu'elles sont exigées pour être en catégorie D ou C, qui ne pose pas de problème. Donc la voiture électrique, c'est une question évidemment majeure, mais là où nous habitons tous, il va falloir se préparer là aussi à des coûts de remise à niveau de nos logements qui vont être absolument astronomiques. Et comme ça va être des logements connectés, des logements intelligents, il faut qu'on se pose aussi la question de tous ces microprocesseurs qui sont aujourd'hui fabriqués essentiellement en Chine, à Taïwan et en Europe. J'espère qu'on verra un jour effectivement une gigafactory de microprocesseurs à 5 microns, parce que c'est aujourd'hui ce dont on a besoin dans tous les appareils électroniques performants. Mais pour l'instant, en Europe, on n'a pas ces usines. On ne les a pas, tout simplement. Donc je dis vraiment, là, on se découvre à tous les niveaux dépourvus d'à peu près tout. Je ne suis pas sûr que cette prise de conscience se fasse ni au niveau de nos députés européens, ni de nos politiques. J'ai l'impression que personne ne réfléchit. C'est ce qui m'angoisse. C'est personne ne réfléchit et on ne comprend pas
là aussi, l'impact en termes d'inflation de tout ce que on nous impose. Un député européen, on lui dit, tiens, passe cette nouvelle norme, on va demander, par exemple, de modifier l'épaisseur des isolants dans les toits, etc. Les députés européens vont dire, ok, on va passer de 7 à 9, à 9 cm, on va mettre la norme de 7 à 9. Mais d'où vient la laine de verre? Qui la fabrique et à quel coût? À chaque fois qu'on empile une nouvelle norme en Europe, on se pose absolument pas la question de mais combien ça va coûter? Est-ce que c'est faisable? Et est-ce que les gens qui sont les usagers, les consommateurs, peuvent faire face au surcoût que ça va entraîner? Le législateur ne pense qu'à légiférer, mais à aucun moment le législateur ne se montre stratège. Voilà, ça c'est une des phrases que je voudrais que vous reteniez de cette conférence. Alors, si les politiciens, effectivement, ont des graves lacunes en matière de pilotage stratégique, je peux vous assurer que les industriels ne l'ont pas. Eux, ils sont très réalistes. J'en veux pour preuve ce qu'avait déclaré très récemment, c'était lors d'une conférence, c'était Future of the Car en 2022, c'était Carlos Tavares, que d'aucuns doivent connaître. Alors désolé, je reviens vers le monde des automobiles. C'est le patron, en fait, de Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, mais pas Ferrari, je crois que c'est coté en bourse, donc c'est à part du groupe, il m'a semblé, enfin bon. Et il avait déclaré qu'il craignait une pénurie des batteries entre 2024 et 2025, ainsi que d'autres matières premières. Si un patron de cet ordre-là met en garde qu'il risque d'y avoir des perturbations sévères sur le circuit logistique, on peut le croire. D'ailleurs, ce n'est pas le seul. Il y a aussi Akio Toyoda. Toyoda, ça vous dit peut-être quelque chose, il y a homonymie. C'est Toyota. Bon, le nom avait été changé, mais c'est un descendant donc, du fondateur de Toyota, premier constructeur mondial d'automobile, qui a bien expliqué qu'il va falloir de toute façon prendre des décisions drastiques en la matière, c'est-à-dire, lui, il ne croit pas vraiment aux véhicules électriques, mais il dit, de toute façon, on va relever les coûts. Alors, ce qui va se passer, ce n'est pas difficile, c'est qu'effectivement, les coûts commencent déjà à augmenter pour tous les véhicules. Alors, quand je parle d'électromobilité, soyons clairs, je vous parle des véhicules parce que c'est un petit peu mon dada, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être aussi bien les astromobiles qui sont en ce moment sur différents astres de notre système solaire, mais ça peut être aussi plus prosaïquement nos trottinettes électriques, ça peut être nos vélos, assistance électrique ou full électrique, effectivement. Ça peut être tous ces... Ça peut même être, d'ailleurs, j'ai été très surpris quand je passais dans une zone pavillonnaire, ça peut être aussi nos tondeuses autonomes électriques. Ah, ça, j'ai vu ça, c'est assez amusant. Tant que ça ne me découpe pas en rondelles ou que ça ne poursuit pas le chien. Voilà. Il faut se méfier quand même des ordinateurs. Quoi qu'il en soit, alors, ce qui m'a aussi intéressé, c'est l'approche de la Russie. J'ai regardé un peu les textes, parce que, comme Irina l'a rappelé, effectivement, moi, je viens du cyber. On dirait, je viens de loin, quand même, hein, pour parler des matières premières en venant du cyber. Sauf que dans le cyber, tout est matière. Eh ouais, c'est en travaillant vraiment dessus que je suis arrivé là-dedans. Et de toute façon, qu'est-ce qu'un véhicule électrique dorénavant? C'est juste un ordinateur sur roue. C'est blindé d'électronique. C'est blindé de matières premières uniquement pour les semi-conducteurs, les câbles, etc. Alors, de toute façon, c'est que ça. Et d'ailleurs, c'est imposé, même par l'Union européenne. Il faut des sécurités passives, actives. Il faut même un doublon, c'est une redondance. Voilà, le terme technique, c'est une redondance des systèmes qui pèsent lourd quand même. Parce que si l'airbag ne se déclenche pas, il faut qu'il y ait un deuxième système de déclenchement de l'airbag. Vous voyez, ça c'est durant mon passage de Forestia que j'ai appris ça. Mais toujours est-il, vous voyez, ces véhicules sont effectivement, demandent énormément de ressources, vont avoir aussi des vulnérabilités cyber. Bon, ça forcément, j'étais déjà au courant. Mais aussi, dès le départ, ils ont prévenu, c'était même Sergio Marchionne, qui était le président de Fiat à l'époque, qui avait expliqué, chaque fois que je produis une Fiat électrique, surtout ne l'achetez pas, je perds de l'argent dessus. Et à telle enseigne, attendez, c'est pas terminé, je vous donne encore plus récent. C'est le patron John Lawler, le responsable de Ford, financier de Ford, qui a dit, pour chaque Ford Mustang E, ou I, donc électrique, il perd 25 000 dollars par véhicule. C'est ce qu'il a déclaré. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment des véhicules, il est produit à perte, avec l'augmentation des matières premières. Donc,
Il faut savoir que Ford, heureusement qu'il y a le Ford F-150, c'est-à-dire le monstre, le pick-up monstrueux, bien thermique et bien velu, hein, avec le moteur comme il faut, parce que sinon, pour les véhicules électriques, voilà, ça ne serait pas assuré la viabilité. De toute façon, je dirais, il faut laisser faire, je dirais, une certaine, d'abord les ingénieurs, ça c'est une des choses, et puis aussi, il faut aussi écouter aussi les industriels. Ça, malheureusement, beaucoup essaient de se faire entendre dans ces conférences comme Future of the Car, etc. Et puis, il faut aussi que les politiques se penchent un peu plus sur ces réalités. En Russie, je sais, par exemple, qu'il y a une approche systémique. Alors, c'est très difficile et c'est très long pour avoir des effets. Ils essayent, je sais, actuellement, d'avoir des fondeurs, comme il y a TSMC, vous l'avez évoqué, en Taïwan. Il y a aussi Samsung. De pouvoir produire des microprocesseurs, donc avec en descendant sur pratiquement 2 nanomètres. Voilà. Mais c'est très difficile, c'est très long. Et il ne suffit pas de construire une gigafactory. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et en plus, c'est une technologie déjà dépassée, alors que les Chinois, vous doutez bien qu'avec les milliards de yuan qu'ils ont dépensés, qu'eux, ils ont déjà une technologie d'avance, c'est-à-dire une génération d'avance, une génération technologique d'avance, pardon. Donc ça ne se rattrape pas comme ça non plus. Et c'est pour ça qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Et déjà, j'irais même sur l'aspect technologique des batteries, qui est très important, je ne lénifie absolument pas, je dirais, on aurait dû déjà penser à la question quand même de l'approvisionnement minier, de l'approvisionnement logistique des matières premières. Donc voilà. Alors, effectivement, je le redis, je parle beaucoup des électromobiles, mais considérez que vos trottinettes, que vos vélos ressortent effectivement de la même problématique. Et on va l'avoir de plus en plus. Nous sommes dans un monde de toute façon extrêmement électrique. C'est là vraiment là. On va basculer à fond dedans. Vous l'avez rappelé, ne serait-ce que nos maisons. Plus de fuel, plus de gaz, uniquement de l'électrique, etc. Donc ça implique aussi une vulnérabilité très conséquente. D'ailleurs, vous avez un véhicule électrique. Oui, désolé, j'y reviens. Mais votre Tesla à 80 000 euros, une fois qu'elle n'a plus de batterie, qu'elle est à plat, je ne sais pas si elle vaut encore 80 000 euros. Je pense qu'il y a une sacrée décote à ce moment-là. Elle est bardée d'électronique. Enfin bon, il y a toujours quelques pourcents de réserve pour la redémarrer au cas où. Et en plus, ça pose une question. Désolé, là, c'est l'expert cyber qui parle. Mais c'est qui possède vraiment la Tesla? C'est vous ou c'est la firme? Je vous laisse deviner. Parce que, bon, moi, j'ai déjà la réponse. Mais voilà. Et parce que quand on peut désactiver à distance ou augmenter l'autonomie de votre batterie à distance, ça pose des questions. Et notamment sur la question des données, très essentielle. Parce qu'on parle du pétrole noir, etc. Mais il y a un autre carburant dans ces véhicules, quel qu'il soit, même votre trottinette électrique, hein, parce que maintenant, il y a des verrous digitaux. Mais la forme digitale de votre pouce, ça, c'est une donnée essentielle. C'est vraiment une donnée, d'ailleurs, c'est le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, qui encadre très sérieusement ça. Est-ce que c'est respecté? Pas tout le temps. Et ça, c'est vraiment... Il faut faire très attention. Je vous parle des matières premières, mais il y a d'autres matières. C'est votre patrimoine numérique, en fait, qu'il faut conserver. C'est vrai, je veux dire. Et ça, c'est dans les véhicules, pareil. Est-ce que certains d'entre vous se sont souciés dans les véhicules high-tech dont nous disposons que leurs écoutes peuvent être écoutées directement? C'est très facile, hein? C'est le premier des mouchards. Bon, vous me direz, votre téléphone le fait déjà depuis longtemps, à distance. Pas difficile. Voilà. Et c'est vrai qu'un véhicule, vous avez deux hommes d'affaires dans un véhicule, leur conversation peut être facilement écoutée. Hein, surtout s'ils sont en panne électrique, il n'y a plus de batterie. Alors ils vont commencer à gesticuler, mais il y a un petit enregistrement qui se fasse derrière. Ah oui, mais toujours est-il, voilà, je le dis, nous sommes en situation de polycrise, il y a des solutions, mais elles nécessitent quand même de vraiment, ce ne sera que la troisième fois que j'en parle, de passer par une approche systémique. Et neutralité technologique et sobriété technologique. Oui. En fait, on parle de quelque chose que tout le monde connaît. Et c'est un terme qui, évidemment, hérisse le poil de tous les libéraux et ultra-libéraux. Ah, d'accord. ça s'appelle tout simplement la planification. Et en France, on a su faire ça jusque dans les années 70, et il en est ressorti, Concorde, Airbus, le TGV, etc. Donc la planification, ça ne nous a quand même pas desservi, et il y a des pays qui continuent d'asseoir leur développement sur la planification,
Et je pense quand même que la Chine et Singapour sont deux exemples de réussite assez sensationnelle avec une vision de long terme. Voilà. Alors je ne dis pas qu'il faut absolument importer tous les modes de fonctionnement de la Chine, parce que je pense que le crédit social et la surveillance de tous par tous, ou une espèce de giga Big Brother, je ne pense pas qu'on en rêve. Mais pourquoi d'un seul coup a-t-on rejeté comme ça des gens qui réfléchissaient sur le long terme avec des personnes compétentes pour mener un projet à bien? C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un Elon Musk pour arriver à maîtriser et à faire quelque chose de cohérent. Alors je signale pour ceux qui voudraient acheter une Tesla que les prix viennent d'augmenter aux États-Unis de 6 000 $ pour le modèle S, le dernier. Mmh. Et on est à plus 13 000 $ quand même sur le modèle haut de gamme 1 000 km d'autonomie garantie. Alors 6 000 $, c'est quand même le prix d'une voiture, le prix moyen d'une voiture en Inde. Et 13 000 $, c'est le prix d'une bonne petite berline qui marche bien dans la gamme Stellantis ou dans la gamme Renault. Pour vous figurer, qui va pouvoir rajouter 6 000 ou 13 000 ? Je veux dire, le public à qui ça s'adresse et que ça gêne pas trop, il faut quand même savoir que c'est même pas 1% des acheteurs potentiels sur la Terre. Alors, on a parlé donc de ce qui roule sur la Terre, les véhicules électriques. Je vous ai parlé de là où on habite et où il va falloir faire des transformations coûteuses. Et je ne vous ai pas parlé de ce qui vole aussi. Parce que là, c'est également bourré d'électronique, de plus en plus. Je m'avance peut-être un petit peu, mais je pense qu'on n'est peut-être pas très très loin. Alors qu'aujourd'hui, on parle du manque de pilotes. Hein, c'est American Airlines, on a des pilotes en grève, Delta Airlines, enfin, partout, on manque de pilotes. Des avions pilotés depuis une petite cabine sur Terre, ça s'appelle un drone, mais ça fonctionne sacrément bien. Moi, je me rappelle d'être rentré de Londres, là, il y a 2 ans, il y avait un brouillard, il n'y avait pas la visibilité, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas les 20 mètres de visibilité devant la cabine. L'avion a été posé électroniquement. Extraordinaire. On a fait un atterrissage, un kiss, on n'a rien senti. C'est-à-dire que l'électronique de bord vous fait un atterrissage beaucoup plus propre qu'un pilote, même extrêmement doué. Par contre, dans le brouillard, là, c'est complètement au jugé, donc là, la question ne se pose même pas. Donc, des avions devenant des drones, je pense qu'on peut, l'envisager pour les 15 ou 20 prochaines années. Mais dans un avion, peu importe qu'il y ait des pilotes dans le cockpit, ou qu'il n'y en ait pas, les pièces les plus rigides d'un avion, hein, c'est-à-dire la structure qui unit les ailes au fuselage et les trains d'atterrissage, tout ça, c'est bourré de titane. Nos avions de chasse, nos braves avions de chasse, Rafale, Eurofighter, etc., sont bourrés de titane. Titane et autres composants à base de carbone. Mais sans titane, y a plus, on ne construit plus aucun avion, que ce soit destiné à un usage civil ou à un usage militaire. Sans titane, il n'y a plus de blindage non plus. Enfin, je peux vous multiplier les exemples. Et là, la pénurie de titane, j'entends déjà qu'on est dedans, enfin que ça pose déjà un vrai problème. Et je pourrais aussi développer sur le palladium, puisque alors là, la Russie en produit, je crois, 60% de ce qu'on consomme dans le monde. Voilà. Donc où est-ce qu'on va aller trouver le palladium ? Il va falloir quand même que les Sud-Américains soient très très gentils, qu'ils nous fassent des prix. Voilà. Donc je ne sais pas, il est peut-être... voilà, ça fait une heure que nous échangeons le micro. On va peut-être maintenant tourner le micro vers la salle et prendre quelques questions. Je ne défends pas une ligne, je fais des constats. Alors vous me parlez de pessimisme. Le pessimisme, c'est un concept un petit peu philosophique. Ça veut dire se dire que dans le futur, ça va toujours être pire qu'avant. Bon, je ne suis pas
d'un pessimisme radical. Je fais simplement le constat que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est déjà pire que les prévisions les plus pessimistes. Voilà. Voilà. Donc, je suis dans le constat. Alors après ça, est-ce qu'on est dans la décroissance ? C'est monsieur Robert Habert hier en Allemagne qui nous dit il va y avoir des délestages cet hiver, on va être obligé de ralentir la production, donc en Allemagne c'est surtout automobile, hein, automobile et machine-outils, et puis il va falloir probablement qu'on se chauffe moins, et il va falloir à un moment faire un arbitrage. Est-ce que on met les usines en... Les salariés au chômage technique pendant 3 mois, bah, chômage technique, ça veut dire que vous touchez 20-25% de moins sur votre salaire, bah, comment vous payez le chauffage? Ou alors, on continue de faire tourner les usines, mais à ce moment-là, chez vous, vous mettez du 17. Voilà. Si on n'avait pas pris certaines décisions au mois de mars de cette année 2022, on se poserait absolument pas la question de savoir si on pourra ou non se chauffer cet hiver, ou si on devra ou non fermer des usines. Alors là encore, je vais démentir l'idée que je suis pessimiste, mais une précision pessimiste aurait consisté à dire, regardez, dès le mois de juin 2022, vous aurez des usines qui vont fermer en France, faute de pièces détachées, faute de matières premières. Ben, je vous signale que l'usine Stellantis de Rennes et celle de Nantes Carpiquet sont fermées depuis 48 heures, et que dans les autres usines Stellantis, on jongle avec les congés qui restent à prendre, on jongle avec la formation, c'est-à-dire que les gens, quand on ferme une unité de production, plutôt que de renvoyer les gens chez eux, on essaie de les former sur peut-être le prochain outil. Mais tout ça, ce ne sont que des expédients. Mais on est déjà dedans, là, à l'instant où je vous parle, hein, l'industrie automobile. Il y a déjà des périodes de chômage technique extrêmement importantes et qui durent déjà depuis plus d'un an. Alors ce chômage technique, je le répète, c'est des salaires en moins, c'est du salaire en moins pour tous ceux qui travaillent dans ces groupes. Voilà. Donc vous avez d'un côté le prix à la pompe qui est passé de 1,30 à 2,30 et votre salaire, il baisse de 20 à 25%. Et vous allez me dire, pas ça, je suis pessimiste, mais on y est déjà. Et le ministre allemand, ça y est, il nous dit qu'on va vers un modèle de décroissance, puisque à partir du moment où on ralentit la production et où on se chauffe moins et où on se déplace moins, etc., voilà, nous y sommes déjà. Excusez-moi, j'ai mal formulé ma question. En fait, j'ai pas dû parler de pessimisme. Mais non, je viens de vous dire qu'on ne l'hésite pas, puisque déjà, ce sont nos gouvernants qui nous disent. Il va falloir prendre des mesures. Et je vous passe l'expression de M. Macron. Nous sommes dans une économie de guerre. Alors vous savez ce que c'est qu'une économie de guerre, forcément. C'est-à-dire que c'est l'État qui prend, quand il pense que c'est nécessaire, qui prend le contrôle de tout, de la production, de qui fait quoi avec quoi. Et sans parler que dans une économie de guerre, évidemment, la vérité n'existe plus dans les médias. Donc en plus ça, on ne vous dira pas la vérité sur ce qu'on vous prépare au cours des 6 prochains mois. C'est-à-dire que le gouvernement a peut-être déjà prévu de sécuriser ou de mettre la main sur nos stocks de gaz, de pétrole, et on nous dira d'ici Noël, bon, ben, vous parcourez pas plus de 300 km en plus de votre trajet vers le travail. C'est juste une soupçon que je fais, mais une économie de guerre, c'est une économie où on nous dit exactement ce qu'on a droit ou pas le droit de faire, et c'est l'État qui décide pour vous. Très très brièvement sur l'hydrogène. L'hydrogène liquide est évidemment un produit secondaire provenant de l'électrolyse de l'eau. Je ne vous apprends rien. Et l'électrolyse de l'eau, bah, elle se fait évidemment avec de l'énergie. Donc c'est parfait si cette électrolyse est faite avec de l'énergie nucléaire ou de l'énergie hydroélectrique. Mais dans des pays où il n'y a pas d'eau, pas d'hydroélectricité, où il n'y a pas de centrale nucléaire, c'est-à-dire la plupart des pays de la planète, n'ont ni centrales nucléaires, et beaucoup sont semi-désertiques et n'ont pas d'hydroélectricité. Donc l'hydrogène, il est produit forcément avec de l'énergie fossile. Voilà. Donc l'hydrogène, à l'état natif, je crois qu'il existe, il n'existe qu'un seul gisement d'hydrogène naturel, natif,
sur la Terre, et je pense que c'est un gisement qui permet de remplir une dizaine de barils d'hydrogène liquéfié à l'année. Donc à l'échelle industrielle, et les Allemands qui ont besoin, je pense, d'après leurs calculs, qui ont besoin de 1000 méthaniers par an pour remplacer le gaz russe, 1000 méthaniers de grand format, hein, je parle des, vraiment des belles bêtes, donc fabriquer de l'hydrogène, c'est quelque chose qui est extrêmement producteur de CO2, pas du tout écologique, et même pas performant sur le plan énergétique, puisque si on voulait faire voler des avions à l'hydrogène, ça alourdirait les réservoirs d'environ 30% pour une autonomie équivalente. Voilà. Justement, les produits à partir de l'énergie renouvelable. Ah bah ça, si on est capable effectivement de produire de l'hydrogène sans dégager un gramme de CO2, mais on parle plutôt de tonnes, hein, oui. Donc sans dégager des tonnes, voire des milliers de tonnes de CO2, j'y suis évidemment favorable. Il y a liquide à travailler sur ce sujet. Oui, oui. Et la question c'est... Il faut installer son usine de transformation près de la centrale, je sais pas, de Flamanville. Ah bah mince, elle a 9 ans de retard. C'est pas de chance. Monsieur ? Qui produit du titane à part la Russie ? Alors, pour des pays exacts, je ne me souviens plus, mais ça doit se situer, effectivement, il doit y avoir une partie en Afrique du Sud, je pense, dans certains pays africains. Je pense à l'Afrique du Sud parce que c'est un grand pays minier. Je pense aux platinoïdes, hein, que je connais particulièrement. Mais il faut savoir quand même que la problématique du titane, c'est d'abord la possibilité d'en recevoir, et puis aussi la volonté. Parce que si c'est un autre pays avec lequel nous ne sommes pas vraiment en très bons termes, si nous sommes dans certains pays, je dis, il y a une diplomatie minière aussi, hein, derrière. Vous voyez, le Congo, c'était facile d'avoir du cobalt. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Les ressources du Mali aussi. Donc, en fonction de ces pays-là, alors on peut compter peut-être sur l'Afrique du Sud, mais pareil, les capacités d'extraction même du titane, est-ce qu'elles suffiront à combler le manque qui viendrait de Russie en cas d'un embargo ? Question. Alors, sinon, on peut faire un ersatz, mais une recherche qui soit disruptive au point de remplacer du titane, on ne l'a pas encore trouvé, pas à ma connaissance en tout cas. On a quelques éléments, mais pas... à base de graphène notamment, mais bon, c'est encore en prototypage. Donc pour la résistance, hein, je pensais principalement à la résistance en alliage de protection, hein, bien évidemment. Mais c'est... Donc comme solution pour remplacer, imaginons que les 50% de titane, comme j'avais vu par le patron d'Airbus, c'est très problématique. Dans l'urgence, en plus, ça l'est encore plus. Il y a la quantité, et puis aussi, il y a la capacité de raffinage aussi. Ça, c'est encore une autre question. Juste une remarque, l'Afrique du Sud... tout à fait, les BRICS, d'ailleurs, jouent beaucoup la politique minière. Il y a une géopolitique minière, elles l'ont prise en main, et ils se sont bien entendus. Alors maintenant, il y a des rivalités, on sait bien, entre la Chine et l'Inde, par exemple, hein, c'est pas toujours fixe, entre parfois le Brésil et d'autres pays. Mais en attendant, la prise de conscience minière, ils se sont dit... qu'on n'allait pas à vil prix dilapider tous ces stocks. J'en profite. Pourquoi nous avons eu en Occident, pratiquement, on va dire, depuis 91, et la date n'est pas choisie au hasard, pratiquement 20 ans de prospérité minéralogique? À votre avis, pourquoi? Y compris le titane, d'ailleurs. Parce que c'était la fin du Comecon. Avec la chute de l'effondrement soviétique, il y a eu pléthore, enfin le Comecon, pardon, je précise, hein, c'était l'alliance en fait économique des pays de l'Est et de l'Union soviétique. Voilà. Et ces pays avaient d'énormes stocks de ressources minéralogiques qui se sont retrouvés sur les marchés à vil prix. Nous avons pu profiter de cet effondrement des cours, vraiment à grande échelle, et pendant à peu près, on va dire, une bonne vingtaine d'années, nous avons pu vivre dessus. Alors, les coûts, mais aussi les quantités, hein, j'entends bien. Et de ce fait, maintenant, nous sommes arrivés, depuis plusieurs années d'ailleurs, hein, à un certain tarissement. Donc, il y a eu aussi de la surproduction. Hein, il faut pas le... Pour ça,
je le dis, il y a aussi la sobriété technologique, c'est-à-dire on s'est permis de créer aussi beaucoup de superfétatoires, c'est-à-dire vraiment d'inutiles aussi, pour meubler plus l'existence que pour vraiment l'utiliser, je veux dire, à escient d'utilité, voilà. Mais nous sommes devenus aussi maintenant très dépendants de ces matières premières parce que tout le stock est épuisé. Je dis c'est multifactoriel, hein, je parle du Comecon, mais il faut bien comprendre que depuis 1991, l'Occident a beaucoup bénéficié quand même de cet effondrement. Notamment, on en parle très peu, sur cette ventilation en fait, des stocks des ressources minéralogiques. Ça, c'est vraiment à prendre en considération. Et la Chine, on va dire, a fait une véritable OPA sur le raffinage des métaux. Hein, je crois que 90% du nickel au monde est raffiné en Chine, donc 95% pour les terres rares. Donc nous, on s'est dit, oh, le pétrole, oublions ça, c'est du CO2. Et puis surtout, ça nous rend dépendants de pays pas forcément démocratiques, les pays du Golfe, etc. C'est terrible d'être dépendant de gens qui ne sont pas des démocrates. Mais on avait quand même le choix entre une quinzaine de pas très démocrates. Maintenant, pour les métaux dont nous avons tous besoin, nous sommes dépendants d'un seul fournisseur. Heureusement, c'est une démocratie. Vous avez employé un mot qui résume un petit peu à lui tout seul, le caractère un petit peu singulier de gens qui viennent avec autorité vous parler de sujets qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne mesurent aucun des aspects, donc vous les appelez des éditocrates. Bon, ces gens-là, ils ont accès aux médias parce qu'il y a une consanguinité, c'est évident. Et souvent, ils viennent délivrer un message qui vient peut-être d'un peu plus haut. Bon, ils viennent parler de trucs dont ils ne connaissent pas, mais ils viennent quand même dire quelque chose. Ils viennent avec des éléments de langage. Donc forcément, c'est des idiots utiles, quelque part. Donc évidemment, il faut comprendre que derrière ce qu'ils nous racontent, il y a quelqu'un qui nous parle. Voilà. Mais manifestement, quand on étudie l'élément de langage, on se dit « celui qui l'a pondu », je pense qu'il n'y connaît pas grand-chose. Mais la raison, c'est peut-être du fait de l'instabilité politique. Vous voyez, aux États-Unis, là, le 8 novembre, on a les midterms. Hein, le 8 novembre prochain. Bon, la majorité de Biden, sauf miracle, elle va sauter. Donc on va avoir une chambre qui va basculer. On va avoir donc des décideurs et des gens d'influence qui seront de l'autre bord. Ça a duré 2 ans, Biden. Voilà. Là, on est reparti pour 2 ans. Ça va être avec les Républicains. Quand vous voyez les firmes américaines, leur horizon, c'est les 3 prochains mois. Il faut annoncer des bonnes nouvelles à l'actionnaire dans les 3 prochains mois. En fait, on est peut-être victime du fait que tous les gens qui ont le pouvoir décisionnel sont finalement assez éphémères. Et que des gens qui devraient avoir des vraies responsabilités, avec des vrais moyens sur le moyen ou le long terme, ces gens-là, on les a complètement boulés. C'est des empêcheurs de tourner en rond. Bon, en Allemagne, par exemple, si vous étiez pro-nucléaire, vous preniez les écolos dans la figure, c'est fini. Vous pouvez dire ce que vous vouliez. Vous aviez en face de vous un mur idéologique. Vous ne pouvez rien faire contre des gens qui sont des dogmatiques. Voilà. Il faut des gens qui réfléchissent. Or, comme on est dans l'urgence et qu'on veut faire avancer les choses, ben on met des dogmatiques au pouvoir ou pour venir vous parler. Voilà. J'espère ne pas être un dogmatique. Et je me dis que les pays qui arrivent effectivement à se développer, c'est parce qu'ils ont une vision long terme. On met des gens compétents aux bonnes places. Et les décideurs, ils ont 5 ans, 10 ans au minimum devant eux. Et le problème, c'est que nous, avec notre fonctionnement, les équipes, elles changent, et c'est un véritable... C'est comme une sorte de moulin, quoi. Ça rentre, ça sort, et vous n'avez personne pour s'asseoir avec des gens compétents et concevoir quelque chose qui va être mené sur 15, sur 20 ans. Ah si, par contre, on est capable de vous donner un mot d'ordre. 2035, on arrête les véhicules thermiques. Ben voilà, on l'a dit avec sa bouche, c'est très bien. Non mais c'est rien, 5 ans. Avant c'était 7 ans. Et puis, voilà,
Mais non, mais quand on avait une planification. Même si le président changeait, on poursuivait le plan, parce que pour mettre des TGV, mettre des centrales nucléaires, fallait se projeter dans 10 ou 15 ans. On a complètement arrêté ça. Bah, contrairement à tous les pays qui, eux, s'en sont tenus à ce qui fonctionne, Singapour, la Corée du Sud, quel exemple, la Chine, sont tous des pays où ils ont maintenu une planification. Mais ça veut dire que ça veut dire maintenir des gens éventuellement désagréables, qui disent peut-être pas oui à tout ce que veut le dirigeant. Alors bon, quand on a un Macron, on sait qu'il faut absolument dire oui, donc ça devient très compliqué de lui dire non. Voilà, il faut des gens aussi qui savent dire non et qui savent mener un projet sur le long terme. Ben voilà, ça, on ne sait plus faire et on ne veut plus le faire. Alors, je vais à votre question juste après. Il y a un élément, pardon, je me permets juste d'ajouter un élément. C'était par rapport à ce que vous dites, c'est qu'on ne sait plus faire, mais on a su faire. Enfin, je parle en Occident. Il y avait notamment la Caisse française des matières premières, qui a existé de 1980 à 1997 et qui permettait d'avoir des stocks stratégiques. Donc, moindre variation avec les cours des différentes matières premières, et puis, comme le nom l'indique, c'est-à-dire en cas de choc, de crise, etc., d'avoir une visibilité sur quelques mois. Alors ça existe encore pour le pétrole, principalement pour les forces armées, mais par contre ça n'existe plus pour le secteur civil depuis 1997. Et ça, c'est vraiment problématique. Je parle de la France, je ne vais pas faire que du frocon français, c'est aussi au niveau européen, parce qu'on se dit, voilà, l'Europe, ben, elle va s'approvisionner avec un grand marché mondial, etc. Oui, mais la Chine, à ce jeu-là, elle était beaucoup plus intelligente. Il faut le reconnaître. Voilà. Et il y a d'autres pays, ils avancent aussi. J'ai pu traiter aussi du Brésil. Ils ont une politique extrêmement, malgré les soubresauts politiques. Par contre, il y a une constante. C'est qu'on ne touche pas quand même aux ressources minérales. Hein, Petrobras, attention. Donc, les BRICS, pour y revenir, effectivement, ont vraiment pris conscience qu'il y avait peut-être un nouveau monde qui est en train d'émerger. Et il sera peut-être plus occidental. C'est vraiment à prendre en considération. Et par celui-ci, ils vont commencer par les ressources minéralogiques. Parce qu'ils ont compris que tout est matière. Même le cyber, je l'ai dit, hein, même le cyber, tout est matière. On nous a fait croire qu'on vivait dans la matrice, c'est bien avec des 0 et des 1. Mais la vérité, c'est que bah, on est bien passé par, obligé de passer par nos smartphones. Voilà. C'est aussi des serveurs, des satellites. C'est aussi tous ces éléments. Pour ça, quand je parlais d'Elon Musk. D'ailleurs, Elon Musk, je repense, en quelques années, il a réussi à faire plus vite une constellation de satellites que combien c'était, 17, c'était 15 pays au départ de l'Union européenne avec Galiléo. Il a fallu plus de 20 ans pour Galiléo. Lui, en quelques années, il a monté sur place une constellation. Alors, voilà. Comme quoi, il faut de la volonté, il faut aussi avoir une approche beaucoup plus générale. Et puis aussi, écouter les experts. Alors je dis, il y a beaucoup d'experts, il y a, par exemple, il y a Aurore Stéphan, il y a Olivier Vidal, il y a Guillaume Pitron, il y a Nicolas Mazzucchi, voilà, ce sont des gens avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, ce sont des gens très intelligents, certains sont même passés sur des grandes chaînes, France Télévisions, Arte, etc. Malheureusement, c'est pas toujours de grande écoute, et puis, je dois avouer, ils feront moins le buzz chez Hanouna, hein, ça faut le reconnaître. Par contre, dans l'urgence, je pense qu'on peut leur faire confiance, ça ils sont prêts, ça ils ont aussi des solutions, et c'est en ça que je suis pas tout à fait pessimiste. Parce qu'on a quand même trouvé aussi des solutions. Mais je ne crois pas à la solution miracle. Hein. On n'est pas. Il va falloir aussi reprendre en main quand même le destin qui passe vraiment par, je dirais, par une compréhension, par une souveraineté. Voilà. Et les BRICS, ils ont compris ça. Et d'autres pays sont en train de leur emboîter le pas. Donc c'est pour ça, pour l'Occident, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et ce qui se passe avec la Russie, je tiens à le dire, comme ça s'est passé avec la crise du Covid, c'est pas une rupture. Moi, je n'ai jamais considéré ça comme une rupture. Je considère ça comme un accélérateur. Vladimir Ilitch Ulyanov avait dit « La guerre est un accélérateur de l'histoire ». C'est tout à fait vrai. Ce que nous vivons depuis deux crises, c'est exactement ça. La crise du Covid, la gestion plutôt de la crise du Covid, et la crise en Ukraine, pour moi, ça ne fait qu'accélérer des germes de ce qui était déjà planté il y a déjà de nombreuses années. Vous voyez, voilà, la Caisse française des matières premières n'existe plus depuis 1997. Et là, il a fallu... on parlait du titane. Vous savez que le titane, c'est seulement en 2020 qu'il a été rajouté comme métal stratégique par l'Union européenne. Avant, ce n'était pas stratégique. Et le lithium aussi, d'ailleurs. Et le bauxite. Le bauxite, ça ne parle pas. C'est de l'aluminium. Et pourtant... Ah tiens, au fait, vous savez quel est l'un des principaux producteurs du bauxite dans le monde ? La Russie, la Fédération de Russie. Incroyable, hein ? On n'a toujours pas fait d'embargo dessus, étonnamment.
D'ailleurs, comme l'uranium enrichi, d'ailleurs, hein, on n'a pas fait d'embargo. Ah, les États-Unis, ils en ont besoin, quand même, là, on le sait. Hein. Enfin, bon, voilà, je me tais, nous avons encore des questions. Monsieur, je vous en prie. C'est celui qui paye qui dirige, clairement. Donc on sait très bien, les Américains ont... Alors, par exemple, pas de problème, la Russie, il y a eu des pressions américaines, on le sait, pour que l'Europe se prive du gaz russe, dans des délais incroyablement courts. Je dois avouer, c'est assez incroyable, et avec des conséquences qu'on n'a peut-être pas mesurées. Enfin si, on commence à les mesurer, hein, avec notre cher en Allemagne, on commence un petit peu à voir. Mais je dirais par rapport à cela, les Américains, bien généreusement, depuis le début de l'année, ont exporté 7,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, dont un tiers vers l'Union européenne. Donc on passe en fait d'une dépendance à un pays à indépendance d'un autre pays. Mais il n'y a pas de souveraineté entre les deux. Voilà. Et je dirais, ça va pas s'améliorer ces prochains temps, d'ailleurs sur le plan carbone aussi, puisqu'avec tous ces allers-retours sur l'Atlantique de bateaux remplis de GNL, on ne va pas s'amuser là à faire le nombre de tonnes de CO2 par kilomètre parcouru, par nœud parcouru, etc. Non, je dirais, est-ce qu'on se prive? Vous savez, plus vous avez de personnes, je dirais, plus de personnes qui peuvent décider de la même chose dans une même enceinte, et plus c'est difficile d'avoir une position commune. Les intérêts ne sont pas les mêmes. On parle de la crise en Ukraine, regardez, les intérêts ne sont pas du tout les mêmes. Ils essayent d'avoir la façade, mais même l'OTAN. Nous avons, par exemple, en France, un président qui souhaite une défense européenne. Mais ça ne parle pas aux Allemands, et ça ne parle pas aux Polonais non plus. Voilà, il faut bien comprendre. Il y a des visions très différentes, très divergentes. Donc, faut bien voir. Et puis, quelque part, l'Union européenne est toujours... Moi, ce qui m'a fasciné, c'est toujours dans les symboles, la construction européenne. Toujours en construction, mais... L'Union européenne, c'est une ère civilisationnelle. C'est pas une entité politique. C'est d'abord là-dessus. Et je dirais, son histoire est tragique, mais elle est aussi très productive. Jamais il y a eu autant, je dirais, c'était durant les guerres de la Renaissance. La Renaissance, on voit ça comme il y a eu des grands penseurs, des grands acteurs, des grands inventeurs, etc. Mais c'était une époque extrêmement trouble, dans les guerres d'Italie, où il y avait les cités-États qui se combattaient les unes les autres. Avec la France en plus qui entrait en jeu, le royaume des deux Siciles, de mémoire, il y avait l'Aragon, etc. C'est assez incroyable. Et du conflit né de progrès, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Hegel, hein, je me retranche un peu facilement, mais voilà. Et pour l'instant, on a tenté, dans l'Union européenne, de tout planifier, d'une vision irénique qui n'existe pas à l'état de nature. Donc, si j'étais provocateur, mais heureusement je ne le suis pas, je dirais, la guerre est un état naturel des choses. La vérité, c'est que, en fait... On a voulu ignorer que la nature, en fait, la nature géopolitique, c'est tout simplement, c'est quand même le conflit commercial, politique, philosophique et autres. Le tout, c'est que on n'en arrive pas à l'auto-anéantissement de tous. C'est surtout ça, la vérité. Et là, je dirais, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'Union européenne est une union, en fait, qui est désunie, et qui n'est plus qu'un cheval de Troie, en vérité. Elle s'est dévitalisée. Je vous parlais de la Renaissance. Mais quelle vitalité il y avait? Quelles idées? Bon, quelle bataille aussi, hein, quand même, faut pas oublier. Il y avait aussi son lot de tragédies, de maladies, etc. Mais derrière, il y a eu aussi toute une émulation. Et cette émulation, je ne la vois plus. Voilà. Moi, je suis dans une capitale européenne, j'ai beaucoup voyagé, je continuerai à beaucoup voyager, mais je ne vois plus cette émulation. Et on s'ignore le plus les uns les autres. Je trouve qu'on est plus éloigné qu'au temps où il n'y avait pas l'Union européenne. C'est mon sentiment. Je ne force personne à partager. C'est bon. Depuis qu'on peut correspondre par SMS, on n'a jamais eu autant d'amis en Australie, Nouvelle-Zélande et Patagonie. Et en fait, on ne se connaît plus. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que l'Europe tourne un peu ça, le dos à ses plus grandes valeurs. Alors, il y en a certaines qui viennent d'Angleterre, hein, comme l'habeas corpus. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, Clausewitz dit la guerre, c'est la poursuite de la diplomatie par d'autres moyens. Et dans une guerre, tous les coups sont permis.
Le dernier exemple en date, c'est aujourd'hui. L'Allemagne va probablement exproprier Gazprom de Nord Stream, de la partie de Nord Stream 2 qui passe en Baltique le long donc des côtes allemandes. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que comme ce tuyau restera inutilisé puisqu'il n'y aura plus de gaz et que Nord Stream on a enterré le projet, on va exproprier Gazprom pour transporter du GNL qui arrivera des États-Unis. C'est quand même magnifique, hein, quand même. Donc, les Allemands vont créer des terminaux flottants. Donc, ils sont en train de les faire. Ils ne vont pas être opérationnels dans les 6 prochains mois. Mais d'ici un an, ils le seront. Et donc, c'est quand même extraordinaire. On va se priver du gaz russe pour importer du GNL des États-Unis qui va ensuite arriver vers les usines allemandes en transitant par un gazoduc qu'on aura confisqué ou carotté à la Russie. C'est la guerre. C'est que demain, c'est le gaz américain qui viendra. Je pense qu'on a bien compris. Mais puisque ces gens ne sont pas stupides, mais qu'ils nous fichent dans une situation... peut-être pas cauchemardesque, mais enfin, on n'avait jamais imaginé un seul instant qu'on va se poser la question de savoir à combien de degrés on va se chauffer cet hiver, ou combien d'usines vont pouvoir tourner. Ceux qui ont effectivement, qui ont été manipulés par la main américaine, ça s'appelle un pantin. Hein, voilà. Donc si, même si le pantin n'est pas idiot, il est au minimum corrompu. Juste une chose, c'est qu'il y a quand même encore de la part des États-Unis, j'avais écrit un article, c'était sur DiploWeb, il y a encore une volonté de puissance chez eux quand même. Et on ne peut pas le reprocher. Il y a quand même des gens très intelligents qui sont vraiment dans ce qu'on appelle l'état profond et qui réfléchissent beaucoup. Il y a Brzezinski, bien évidemment, même si on n'approuve pas ces théories. Ce n'est pas la question. C'est que ce sont des gens intelligents. Et il y a d'autres Keegan aussi, Paul Keegan, etc. Toutes ces personnes-là, sont vraiment des grands penseurs géoéconomiques, géopolitiques, et on ne peut pas dire quand même qu'il n'y ait pas une visibilité quand même assez lointaine. Ils savent quand même jusqu'où ne pas aller. Alors maintenant, attention, il y a toujours un effet, le risque, le piège de Thucydide. Hein, c'était un ouvrage, etc. C'est-à-dire d'aller trop loin. Quand une puissance se sent en perte de vitesse, irrémédiable, par effet de cliquet, technologique notamment, il en arrive un fait qui est, elle entre en guerre avec la puissance montante. Là, on pense tout de suite, États-Unis, Chine. D'ailleurs, il y a une théorie qui veut que ce qui se passe en Ukraine, ça serait une forme de guerre de proxy. Les États-Unis derrière l'Ukraine et la Chine derrière la Russie. C'est pas impossible. Voilà. Moi, je dis, je n'abonde pas forcément dans ce sens, mais je dis, je ne peux pas non plus l'ignorer. Il y a aussi des éléments qui donnent à le penser. C'est une guerre intermédiaire. D'ailleurs, la Russie fait face à une coalition, très clairement. Ça, c'est une certitude. Et du point de vue de l'Occident, on sait très bien que le grand patron, c'est les États-Unis. Voilà. Donc, c'est un rapport de volonté. Vous citiez Clausewitz, là, c'est vraiment une guerre des volontés, en fait, une dualité des volontés. Mais il faut bien comprendre que derrière, il y a des gens très intelligents qui ont beaucoup pensé, qui ont déjà des schémas, qui ont déjà aussi des idées aussi pour le monde à venir, quand même. Là, maintenant, ça va dépendre aussi de tous les gouvernements et ce qu'ils veulent souscrire à ce monde-là. Et pour l'instant, je dirais quand même, le sentiment anti-occidental me paraît quand même de plus en plus virulent, très sincèrement. Ça, c'est peut-être qu'un ressenti. Je me trompe. J'espère être détrompé. Enfin, parce que l'Occident a apporté aussi beaucoup de choses. C'est pas que du négatif. Hein. Il y a eu de belles créations, de belles œuvres. Mais peut-être qu'aussi l'Occident est aussi fautif. J'aime pas la génuflexion, je vous dis franchement. Pas à genoux. Mais il y a une chose, c'est que elle a peut-être oublié certaines valeurs qui ont fait vraiment sa grandeur. Et elle s'est peut-être aussi dévitalisée avec le temps en refusant ces valeurs-là et en considérant aussi le tragique de l'existence.